Eh ben, aucun d'entre eux n'a hérité de son génie, hein. Exactement. Ah, ouais. En fait, chaque enfant est une vache vierge. Ouais. C'est beau, ça, Tom. C'est magnifique. Nous sommes tous des vierges. Des vierges au début, mais après... Oh, là. Après... Alors, lorsque je te demande un petit service, une petite course... Ah, non, pas pour moi, hein. Pour les enfants. Ah, mais monsieur est débordé, il travaille. Ah, ben, l'hôpital, c'est une urgence. Ah, hein. Ben, c'est sûr, hein. La poulette, c'est une urgence, hein. Hein? Et quand est-ce que t'as été à l'hôpital, je veux savoir, toi, qui es toujours débordé. Pendant mon travail, c'est le patron. Le patron, il est jamais là, le patron. Mais juste... Alors pourquoi tu lis comme ça, là? Non, ben là, tu vois, je lis pas, voilà. Je lis plus, voilà, c'est fini. Voilà. Ah non, attends, c'est de ma faute. Je lui ai parlé du passage où elle raconte sa naissance, alors ça l'intéresse. Bah oui, tu sais, la naissance, ça intéresse toujours, hein. Quel temps il faisait? Qu'est-ce qu'on a mangé? Et alors, il faisait beau? Ah oui, très beau. Ah oui? Comment ça, très beau? Pourquoi tu mens? Ah bah oui, c'est vrai. Il pleuvait des cordes. Ah oui, il pleuvait à verse. C'était l'orage. Annonciateur de la catastrophe. Quelle catastrophe? Qu'est-ce qui fait rire? Un filet de bœuf. Alors. Ah, vous savez que vous êtes vraiment, vraiment bizarre aujourd'hui. Hein? Alors, tu vois, si c'était mon anniversaire, je me dirais Stanley. C'est que je suis pas le fils de mon père, c'était pas des blagues, ça peut-être. Désolée, je pensais pas. La vérité. Oui. Tu veux l'avoir la vérité? Ne bouge pas. J'ai dit que tu lui ressemblais, mais je ne pensais pas à ce point-là. Non, mais c'est toi qui m'as dit, hein? Le mimétisme. Ah ouais, ouais, mais c'est plus du mimétisme là, c'est la reproduction 3D. Ben peut-être que c'est ton père qui t'a fait du poisson l'eau. Non mais, Tom, arrête. Je suis désolée, mais quand Inès m'a dit que maman avait écrit ça dans la biographie, mais ça a été un tel choc. J'ai pensé un moment à ta ressemblance avec papa, et puis t'es arrivé avec ta viande, hein, alors ben, ça m'a plus rendu évident, j'y ai cru. Pour leur mère, et que vous avez cru que Stanley n'est pas le fils de son père, alors qu'il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Vous n'avez pas honte? Mais tu chantes plus, moi, non? Il chante plus.